en charge de la commission open source de Numéum. Et je suis ravi de vous accueillir cet après-midi pour ce débat sur les besoins en compétences open source des entreprises et sur les leviers dont elles disposent pour trouver ces compétences. Avant d'ouvrir ce débat, ma collègue Neila Amadash, ici présente, déléguée à la formation de Numéum, commencera par restituer en un petit quart d'heure une partie des résultats de la dernière étude sur les besoins en compétences des entreprises et sur l'offre de formation réalisée par l'OPIEC, l'Observatoire de notre branche, à l'initiative de la commission open source de Numéum. Puis nous serons rejoints par trois précieux intervenants sur ce sujet. Benjamin Jean, peut-être lever la main, Benjamin Jean, qui est CEO expert IP open source et président de DinoCube, et qui est le vice-président de la commission open source de Numéum. Philippe Montargès, qui est président du hub open source de Systématique Paris Région. Et précisons immédiatement que Benjamin et Philippe ont fait partie du comité d'experts qui a piloté cette étude. Enfin, nous accueillerons David Simplot, qui est directeur de l'INRIA Academy et qui nous expliquera comment l'open source est utilisé pour pousser l'innovation à l'INRIA et le rôle de la formation dans ce domaine, y compris auprès des dirigeants. Voilà. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Neila Amadash. Merci. Merci, Boris. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots sur cette étude qui s'intitulait « Formation et compétences en open source en France ». Elle a été réalisée par notre observatoire de branche. Et dans le cadre de cette étude, une cinquantaine d'entretiens qualitatifs ont été réalisés avec des entreprises de services numériques et des éditeurs de logiciels, avec des entreprises clientes également de ces ESN et de ces éditeurs de logiciels, et également des entretiens avec des écoles et des organismes de formation, car cette étude avait pour mission, pour objectif en effet, d'identifier les compétences nécessaires dans le domaine de l'open source et d'identifier les plus et les moins de l'offre de formation actuelle. Sans plus tarder, j'entre un peu dans le vif du sujet en vous disant, bien entendu, mais vous le savez, que l'open source est un domaine d'activité en plein essor. En 2019, c'est un domaine qui représentait plus de 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance qui s'élevait à 9% et environ 60 000 équivalents temps plein. Donc un domaine d'activité important. Et dans le cadre de cette étude, nous avons étudié à horizon 2025 quels étaient sur ces mêmes indicateurs les évolutions à venir. Alors on peut toujours discuter des méthodes de calcul, etc. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que d'ici à 2025, ce développement et cet essor va aller en augmentation, autant pour les entreprises dont l'open source est cœur d'activité que pour les entreprises clientes de ces entreprises-là. Comme je vous l'indiquais en introduction, cette étude, elle avait pour mission principale d'identifier quels étaient les métiers en tension, les compétences cœur en open source qui évoluaient ou qui allaient, ou dont les besoins allaient en grandissant. Et nous avons identifié ce qu'on appelle, nous, le top 10 des métiers en tension spécifiques à l'open source. Et là où vous avez la petite étoile jaune, ce sont les métiers sur lesquels on enregistrait un besoin en très forte augmentation de la part des entreprises qui ont été également interrogées dans le cadre d'une enquête en ligne. Toute entreprise, que ce soit des entreprises du secteur même de l'open source, que des entreprises clientes des entreprises dont je viens de vous parler. Donc on retrouve assez classiquement, quand on parle des métiers du numérique, mais encore plus dans le domaine de l'open source, le métier de data scientist, le métier de développeur et le métier de consultant technique qui sont tout aussi en tension que les autres, mais qui, pour lesquels nous avons identifié des besoins qui seraient encore plus importants que pour les autres métiers. Alors, une fois qu'on a parlé de métier seul, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut absolument descendre au niveau de la compétence ou des compétences pour pouvoir ensuite travailler et identifier les évolutions à venir. Donc, quelles sont les principales compétences techniques sur lesquelles le besoin se fait sentir? Vous les avez à l'écran.
on va retrouver des besoins sur les infrastructures, des bases de données, la sécurité, le cloud, etc. Et également des compétences techniques sur le développement, voilà, comme tout ce qui va concerner le front-end, le back-end, la programmation, l'intelligence artificielle, bien entendu. Et enfin, des besoins en compétences également très importants sur le cycle de vie du logiciel lui-même, et notamment avec tout ce qui va concerner les systèmes embarqués, l'IoT. Donc, on retrouve là trois grands domaines de compétences techniques qui sont remontés de façon assez importante de la part des acteurs du domaine de l'open source. Quand on parle de compétences techniques aujourd'hui, ça ne suffit pas. Alors c'est le cas pour beaucoup de secteurs d'activité, pour beaucoup de métiers, mais encore plus dans le secteur du numérique et en particulier dans le secteur de l'open source. Et on va être à la recherche également d'autres types de compétences. Et sur cela, les entreprises ont insisté de façon assez forte. Et ce qu'on va appeler notamment les soft skills, ou les compétences humaines, ou les compétences comportementales, on peut les appeler de différentes manières. Et ce qui est largement remonté, c'est tout ce qui va concerner l'état d'esprit de l'open source. Et je pense que nos intervenants pourront en parler bien mieux que moi, parce qu'ils le vivent tous les jours. Mais en effet, dans l'open source, il y a un état d'esprit particulier, il y a une vision des projets particulière, et les collaborateurs et les collaboratrices qui interviennent dans des projets open source doivent partager cette culture-là. Un socle également de connaissances, je dirais, complémentaires ou connexes aux compétences techniques, que nous avons identifiées auparavant, comme les langues vivantes, l'anglais, bien entendu en particulier, la gestion de projet, mais également une compréhension à 360 de l'environnement dans lequel l'individu va intervenir. La maîtrise et la bonne compréhension de l'écosystème open source, ça va avec la première compétence que je vous ai indiquée, c'est-à-dire cet état d'esprit open source. Et puis enfin, cette capacité d'être toujours en apprentissage, d'avoir développé la capacité d'apprendre à apprendre. On est dans un domaine d'intervention, un domaine d'activité qui est en constante évolution et dans le auto-apprenant et dans lequel tous les intervenants se nourrissent, s'inter-nourrissent, même si je peux me permettre l'expression. Et donc, cette capacité d'être toujours dans l'apprentissage est une compétence importante aux yeux des recruteurs dans l'open source. Alors, quelles sont les stratégies des entreprises? Et là, on s'est concentré sur les entreprises que j'appelle moi habituellement les numérisantes, donc celles qui produisent du numérique. Mais on a également étudié, si j'ai un petit peu de temps, on le verra, on a également étudié les besoins des entreprises clientes du secteur privé et du secteur public. Mais pour les entreprises dont c'est le cœur d'activité, quelles sont ces stratégies, leurs stratégies pour recruter, pour attirer et pour répondre aux besoins en compétences qui sont les leurs. Alors, on l'a dit, on a vu les besoins en augmentation sur les profils open source, et l'envers du décor, c'est la raréfaction des profils et les difficultés de recrutement que peuvent avoir les entreprises pour répondre aux besoins de leurs clients. On a schématisé en deux types de profils, les profils dits classiques et les profils dits experts. En fonction de ces profils-là, les stratégies des entreprises pour recruter, pour attirer, pour sourcer des profils vont être distinctes. Donc, si on prend les profils dits classiques, les entreprises du secteur vont surtout s'orienter vers des profils de jeunes diplômés, voire de personnes en recherche d'emploi et qui sont en recherche de reconversion professionnelle. La conséquence, c'est un enjeu majeur sur la formation, l'accompagnement et l'adaptation, l'aide à l'acquisition de compétences de ces profils-là. Donc pour les jeunes, ça peut être via la formation initiale, via des formations en alternance. Pour les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion,
On sera aussi sur des profils qui seront accompagnés par des dispositifs gérés par Pôle emploi ou l'APEC. Pour les profils experts, on est sur une stratégie différente. Là, dans ce cas-là, on peut être sur de la promotion interne, ce qui permet de valoriser le vivier de compétences et de collaborateurs et de collaboratrices que les entreprises ont en leur sein, ou on va aller chercher ce qu'on a appelé, nous, la perle rare, ou on va être sur un processus de recrutement beaucoup plus long, parce qu'il va falloir aller chercher le profil qui va répondre à l'expertise pointue recherchée par l'entreprise employeur. Et là, on peut être sur des recrutements, des processus de recrutement beaucoup plus longs. Et puis, la troisième option sur ces profils experts, ça va être de recruter un profil, je dirais, assez généraliste, pour ne pas dire de base, comme c'est indiqué dans la diapositive, et l'accompagner en interne, que des experts en interne l'accompagnent dans sa progression en compétences. Donc on voit là en effet des stratégies qui vont s'adapter en fonction du profil recherché et en fonction également du niveau d'expertise de la personne intégrée dans l'entreprise. Donc un effort important et notamment un effort de créativité de la part des entreprises pour pouvoir répondre à ces besoins en recrutement. Ce qu'on peut noter, néanmoins, c'est du coup une forte mobilisation des acteurs et souvent les entreprises mobilisent également leurs propres collaborateurs en interne. On a la notion de cooptation qui est assez importante pour justement aider au recrutement de nouveaux profils. Je regarde l'heure, il me reste 5 minutes, c'est ça ? Voilà. Alors, je vais aller très, très vite sur les entreprises privées, les entreprises, les clients privés, les clients publics, pour pouvoir garder du temps sur les sujets formation. Juste pour montrer qu'on est quand même, que ce soit des entreprises clientes privées ou des entreprises clientes publiques, sur des besoins qui seront quand même légèrement différents en termes de niveau d'expertise, parce que le niveau de maturité chez les clients, heureusement, presque, je dirais, pour les acteurs que nous représentons chez Numéum. Mais le niveau de maturité n'est pas atteint. Et on a encore besoin d'accompagnement et donc des besoins en recrutement qui vont être sur des niveaux d'expertise un peu plus bas que pour les entreprises dont c'est le cœur d'activité. On pourra revenir sur ces points-là, si vous le souhaitez, lors de la suite de la table ronde. Et ce qu'on note également, c'est qu'entre les entreprises clientes publiques et les entreprises clientes privées, finalement, les formats de formation qui sont utilisés sont quasiment les mêmes. On va retrouver des offres de formation modulables dans les deux cas. Alors, la cartographie de formation, nous avons travaillé, alors c'est pas simple hein, de faire une cartographie de formation, vous vous en doutez, surtout sur des compétences comme celle-ci, beaucoup, beaucoup de formations qui se développent depuis quelques années. Donc, nous avons fait le choix de cartographier les formations diplômantes, donc sanctionnées par un diplôme reconnu par l'État, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, ou des formations dites certifiantes, donc avec des certifications inscrites dans les différents répertoires créés par le ministère du Travail. Donc, nous avons identifié 650 formations diplômantes ou certifiantes, dont 340 masters, donc niveau Bac plus 5, 110 diplômes de niveau intermédiaire du Bac plus 2 au Bac plus 3, et puis environ 200 formations qui ont des intitulés qui sont en tout cas considérés comme diplômants ou certifiants, mais qui ont des intitulés un petit peu différents de la nomenclature connue en France. La spécificité pour l'open source, c'est ce qu'on a pu noter, c'est la forte implication des professionnels du secteur dans la réalisation, donc dans la création de l'offre de formation, mais également dans la dispense de cette formation. Donc nous avons beaucoup de professionnels du secteur qui enseignent eux-mêmes au sein de ces cursus pour former les futures générations de professionnels sur ce type de compétences.
Et puis, bien entendu, une fois que nous avons fait la cartographie, il a fallu identifier les points positifs et les axes d'amélioration de cette offre de formation. Il me reste une minute. Et en distinguant ce qui relève de la formation initiale, donc pour les jeunes qui sont en poursuite d'études, et ce qui relève de la formation continue. Donc là, on est plutôt sur la formation des actifs, salariés et demandeurs d'emploi. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a quand même certains axes d'amélioration. Voilà, donc les points positifs, c'est très bien. Mais ce sur quoi nous devons travailler, c'est sur les axes d'amélioration. Et notamment sur, je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé des soft skills, des compétences dites humaines. Ce point-là a été remonté comme un axe d'amélioration dans les formations initiales pour aider notamment les futurs jeunes diplômés à mieux intégrer le monde de l'entreprise. Les enjeux de sécurité également peu pris en compte aujourd'hui dans l'offre de formation initiale existante. Puis pour la formation continue, si je dois en choisir une ou deux, c'est un manque, finalement un trou dans la raquette de l'offre de formation continue sur certains blocs de compétences bien spécifiques qui existent mais qui ne sont pas orientés open source, et c'est en ça que ça peut manquer pour ce domaine d'intervention. J'essaie de faire vite à la fin, j'espère que j'ai été claire et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup Boris et merci beaucoup Naïma pour cette présentation. Donc INRIA, qui est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, hein, nous sommes présents aussi sur ce salon. Nous développons du logiciel depuis des années. On a à peu près 1500 logiciels qui sont issus des équipes de recherche d'INRIA. INRIA, c'est 8 centres de recherche, 4000 personnes réparties sur toute la France, 200 équipes de recherche. Donc généralement, on me demande, mais qu'est-ce que vous faites chez INRIA comme thématique? Ben, plein. Parce que chaque équipe a à peu près sa thématique. Et pour nous, le logiciel, c'est à la fois un objet de recherche, c'est-à-dire qu'on a des chercheurs qui travaillent sur qu'est-ce que cet objet de logiciel. Hein. On a l'habitude de dire que le logiciel est l'œuvre humaine la plus compliquée au monde. C'est plus compliqué que construire un avion. Quand je dis ça à Toulouse, je me fais jeter des pierres. Mais voilà, imaginer qu'un être humain puisse comprendre un logiciel entièrement, c'est irréaliste. Donc savoir manipuler des logiciels qui dure dans le temps, c'est vraiment un objet de recherche. Et on a des logiciels qui permettent d'explorer les logiciels. C'est le cas de Faro, de Mousse qu'on présente ici sur le stand. Et donc c'est à la fois un objet de recherche, mais c'est aussi un outil de recherche, hein, pour développer des plateformes d'expérimentation. Et donc on développe des logiciels. Il y a Coq et Sofa qui me viennent à l'esprit. Et donc c'est-à-dire qu'on met un effort particulier sur le développement de ce logiciel-là. Et il y a un souhait que les modes de diffusion en open source, eh bien c'est un modèle de diffusion de la connaissance de ces logiciels-là. Pour faire ça, on a besoin, comme je vous le disais, le logiciel, c'est un investissement, c'est un patrimoine technologique. Donc on a lancé avec plusieurs partenaires, dont le CNRS, dont on a un partenaire avec l'UNESCO, on a lancé Software Heritage, qui est la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel et qui permet de collecter et de préserver les logiciels open source qui sont produits par les activités humaines. Et ces logiciels open source, en tout cas développés par INRIA, on a besoin de les faire durer dans le temps, donc on a besoin d'avoir des ingénieurs, même si la communauté, il y a une communauté open source qui se développe. Et là, on a INRIA Soft qui permet de construire des consortiums, de mutualiser des ingénieurs pour continuer le développement. Et enfin, le dernier dispositif qu'on a mis en place, c'est INRIA Academy, et qui sert notamment à proposer des formations aux entreprises, de manière privilégiée, sur les logiciels open source. Donc on a une offre Deep Tech qui est formée aujourd'hui de 6 logiciels, et je pourrais peut-être revenir un peu plus tard, en essayant de répondre, et c'est intéressant, on retrouve les mêmes domaines d'expression de besoin que ce qu'il y a dans l'étude au pied, et donc ça nous a bien confortés dans nos choix. L'intelligence artificielle qui revient au premier chef, l'ingénierie logicielle,
la sécurité ou encore le cloud. Et donc là, l'idée, c'est que chez INRIA, on a des logiciels qui sont développés, qui sont mis au niveau international parce que ça correspond aux normes de la recherche et ils ne sont pas suffisamment utilisés. Et lorsqu'elles sont utilisées, c'est principalement par des entreprises nord-américaines. En tant que service public, que ça aide les États-Unis, ça me fait plaisir. Mais si ça peut aussi aider l'économie française, c'est encore mieux. Et donc, on pensait qu'il manquait une brique. Et c'est INRIA Academy qui vient donner cette offre de formation à disposition des entreprises. Merci beaucoup, David. Alors, pour poursuivre la présentation de cette étude et de l'INRIA, on va reprendre quelques points saillants de l'étude. En la présence d'experts qui sont à la fois chefs d'entreprise, Alterway, InnoCube, mais aussi représentants d'une communauté et qui ont bien voulu participer en fait, à guider nos chercheurs pour mener cette étude, et puis donc avec David et Neila. Donc, ce qui a fait ressortir l'étude, c'est qu'en fait, l'open source était capital dans la mise en œuvre d'usages innovants. Et aussi un levier d'indépendance technologique. Et est-ce que ce sont des points, par exemple, David, que vous retrouvez à l'INRIA notamment? Tout à fait. Utiliser des logiciels open source, c'est quelque part une garantie d'interopérabilité et aussi une garantie de neutralité. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup lorsqu'on discute avec les entreprises. Un des avantages qu'ils ont à travailler avec nous et sur l'open source, c'est la neutralité fait que, et une garantie d'interopérabilité. Et l'open source n'empêche absolument pas d'avoir des aspects innovants. On a différents modèles de diffusion des logiciels open source. Parfois, c'est totalement libre, les gens font ce qu'ils veulent. Typiquement, Faro, qu'on présente sur le salon, c'est une licence MIT, donc qui est la plus permissive. Donc, vous pouvez en faire un usage commercial, ce que vous voulez. Et on a également des modèles où c'est libre pour la recherche, et pour une utilisation commerciale, et bien on fait du licensing. Mais en utilisant ce logiciel-là, vous avez la garantie d'avoir quelque chose qui est au niveau de l'état de l'art. Et c'est pour ça qu'un des slogans qu'on utilise pour INRIA et INRIA Academy, c'est programmer votre futur. C'est-à-dire qu'en utilisant ces logiciels-là, qui sont issus notamment de nos équipes, ça nous permet d'avoir une étape d'avance. Et puis on a des modèles hybrides, mix, qu'on appelle Open Core. C'est le cas de SOFA, qui est un moteur de simulation multiphysique, où le cœur du moteur est en open source et complètement libre. Par contre, on a des plugins qui sont sur des modèles où il faut payer une licence pour les utiliser, par exemple sur la chirurgie pour les cicatrices et ce genre de choses, où là les modélisations sont un peu plus compliquées, qui ont été développées à façon. Donc l'open source n'empêche absolument pas de faire de l'innovation. Au contraire, ça permet d'avoir derrière une communauté qui contribue et une garantie que cette communauté va perdurer dans le temps. Très bien. Alors, il se trouve que Benjamin avait participé à l'étude précédente il y a déjà pas mal de temps. Et c'est vrai qu'on a pu observer un certain nombre de tendances dans l'évolution des besoins. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, Benjamin, finalement, dans le résultat de cette étude? Ce que j'ai trouvé très... Parmi les axes qui ont été abordés, qu'on retrouve dans la synthèse qui a été faite tout à l'heure, mais aussi sur les documents qui ont tous été publiés en ligne, d'une part que l'open source alors, est de plus en plus maîtrisé par les acteurs de l'open source ou par les sociétés qui utilisent l'open source au profit des missions qu'ils ont pour leurs clients, mais aussi chez les utilisateurs finaux. Et c'est là où je pense qu'il y a... Dans l'étude, il y a aussi eu des entretiens d'utilisateurs finaux de projets open source qui, en interne, avaient des compétences de plus en plus fortes et qui, dans l'interface qu'ils avaient avec les intégrateurs, avaient ce besoin aussi de mieux comprendre ce que revêtait la réalité, ce qu'était cette réalité de l'open source et la manière dont ils pouvaient, eux, se positionner en tant que clients peut-être, mais aussi contributeurs demain, en tout cas, donc de repenser le rôle que l'open source leur donnait à une échelle plus élevée. Ce qu'on a vu dans l'étude aussi, c'est que l'open source était présente dans toutes les grandes dynamiques, j'irais, d'innovation. La blockchain, ça faisait partie des sujets qui étaient déjà cités dans la première étude et qui, là, s'est révélé. Il n'y a quasiment aucun projet blockchain qui ne s'appuie pas sur l'open source. Alors, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas fait au début, qui viennent maintenant. Dans tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, tout ce qui touche
aux données aussi, à la gestion des données. Pareil, l'open source a une place très importante. Alors, pas aussi centrale peut-être que dans d'autres domaines, mais elle reste très présente. Les sujets sur lesquels aussi on a vu l'open source assez présent, c'est, j'y pense, parce qu'en plus, il y a d'autres conférences qui ont été données dans le salon sur ces thèmes-là. C'est à la fois dans la prise de conscience de la part des acteurs économiques du besoin de travailler ensemble. Donc pour la collaboration, ils sont mis à aller vers l'open source. Et donc, ils ont été forcés de comprendre aussi les réalités techniques qui étaient derrière l'open source et les compétences dont ils avaient besoin pour pouvoir mener des projets entre des acteurs privés et publics. D'ailleurs, l'intérêt aussi, je trouve, de cette table ronde où on voit que le monde de la recherche produit énormément de projets open source et les entreprises qui elles-mêmes fournissent de plus en plus de prestations sur la base des logiciels open source montrent ce besoin de collaboration et montrent que ce n'est pas un sujet qui est que technique, mais c'est un sujet qui demande aussi de mieux savoir travailler avec une diversité d'acteurs. Et justement, alors je ne sais pas si tu voulais qu'on l'aborde maintenant ou pas, mais dans les points aussi qui ont été révélés par l'étude et qui me paraissent vraiment utiles à conscientiser, à matérialiser, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure en termes de soft skills, c'est-à-dire tout ce savoir-être, toutes ces compétences qui sont nécessaires à un développeur ou à quelqu'un, un porteur de projet, pour que le projet ne soit pas qu'un objet technique, mais qu'il s'interface entre diversité d'acteurs qui sont répartis parfois partout dans le monde. Dans l'open source, les soft skills sont quelque chose qui existe, qui sont reconnus depuis assez longtemps et qui sont encore peu révélés, qui en tout cas n'ont pas aujourd'hui de formation dédiée. Et l'un des points aussi qui me semble intéressant à partager, qui est évoqué dans l'étude, c'est la manière dont aujourd'hui l'open source, les écosystèmes de l'open source, les acteurs de l'open source pensaient la formation, la compétence. C'était surtout par des micro-certifications de compétences, notamment je pense à Open Badge. Donc Open Badge, c'est un système qui a été développé par Mozilla à l'époque et qui permettait de reconnaître les compétences des individus, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient justement plus du domaine des soft skills. Mais ça, c'est des choses qui, de plus en plus, maintenant, se retrouvent aussi au sein des entreprises. Et on voit que les deux manières de penser l'évolution des compétences, celle qui est un peu top-down, mais c'est une bonne chose, comme celle de l'OPIEC, où vraiment il y a une étude, on prend la hauteur et on a un panorama de ce qui existe en tant qu'offre, on fait le match avec on rapproche avec ce qui manque, et des approches qui sont un peu plus ascendantes du type de celle des communautés de l'open source au travers des open badges, là c'est vraiment intéressant. Il y a un potentiel qui a été évoqué dans l'étude et qui me semble pouvoir être poursuivi peut-être dans les années à venir et dans les études qui seront menées. Réponse un peu longue, très question. Non, non, c'est très bien. Bah, du coup, on a parcouru à la fois l'offre de formation, le rôle de l'open source dans les usages, mais on a commencé à répondre aux besoins concrets actuels des entreprises. Et peut-être que Philippe, tu voulais ajouter un point là-dessus sur les besoins, l'évolution des besoins que tu observes à la fois de part avec ta casquette de chef d'entreprise. Et oui, une casquette chef d'entreprise et d'industriel. On constate au cours des études, dernières études qu'il y a eu, il y avait une étude du CNL aussi en 2018 sur le marché de l'emploi dans l'open source. On voit d'une part qu'il y a une poussée très forte, une montée en puissance des besoins des entreprises. Il y a un chiffre qui apparaît dans l'étude que je vais reprendre. En 2023, ça représentera à peu près 75 000 personnes qui travailleront spécifiquement sur ce secteur de l'open source, du développement logiciel dans l'open source. Mmh. C'est énorme. Avec en gros deux tiers qui travaillent dans le service pur, chez les intégrateurs et chez les opérateurs, et puis un tiers chez les éditeurs. Donc ça, c'est une montée en puissance qui est énorme. Et ça va aller vite, je pense, à ce palier de 100 000 personnes en 2025, qui sera le poids de ce que représente l'emploi lié à l'open source directement en France. Je ne parle que pour la France. Hein. Et ce qu'on constate, nous, alors pour moi, on en parlait avec Benjamin tout à l'heure, à notre réunion, il y a pour moi un cri d'alarme, si je peux pousser ça, sur je ne vais pas le pousser, mais sur ce sujet-là. À mes yeux, en tant que entrepreneur, chef d'entreprise, je n'ai pas vu un exposant sur le salon qui n'a pas un besoin de recrutement actuellement. Je n'ai pas vu une entreprise qui est en train de revoir à la baisse peut-être ses projections de croissance en 2022 dans ses budgets en phase de préparation, parce qu'effectivement, on n'a pas le nombre de personnes compétentes, formées et opérationnelles pour délivrer le chiffre d'affaires qui est pris en commande. Hein. Donc je pense que c'est un sujet très concret. On parle beaucoup là actuellement dans les actualités économiques de la crise des semi-conducteurs, mais je pense que la crise
de la formation et la crise de la compétence en IT open source plus particulièrement, et dans d'autres secteurs, est à mes yeux tout aussi préjudiciable pour notre économie, et l'économie française, mais européenne globalement. Et donc, le risque, il est double, c'est-à-dire que d'une part, comme toujours, ces crises-là peuvent profiter aux plus gros, et c'est embêtant, parce que l'écosystème de l'open source est composé de beaucoup à 75% de PME et TPE. Donc c'est un vrai sujet. Donc la capacité à prendre les talons, la plateformatisation de l'économie digitale est aussi un enjeu énorme, puisqu'on voit là depuis la fin du confinement et la reprise de l'activité économique et la croissance qui est derrière. Et j'écoute encore les infos ce matin, il y a une forte croissance annoncée et qui se dessine. Mais par contre, la matérialisation dans les chiffres des entreprises et TPE est compliquée à traduire, puisqu'il y a ce problème de ressources et que les stratégies des entreprises, comme d'habitude, c'est d'aller faire autrement. Et les faire autrement, c'est d'aller notamment avec l'évolution des modes de travail qui a été lié aussi à cette crise du Covid qui est apparue, l'apparition forte du remote, du télétravail, fait qu'on peut maintenant beaucoup externaliser, entre guillemets, mais je veux dire extérioriser le travail en dehors de nos frontières, même de l'Europe. Et pour moi, il y a un enjeu énorme, et c'est pour ça que je crie ce cri d'alarme, parce que je pense qu'il faut que nos pouvoirs publics comprennent la nécessité vitale dans les années à venir à faire un vrai plan d'urgence pour relancer les formations, pour restimuler l'intérêt pour les métiers de la technologie et de l'open source en France, pour stimuler les cursus, parce qu'il y a un besoin très fort. Dans nos entreprises, notamment la mienne, on a des besoins énormes sur des métiers qui apparaissent dans l'étude. On voit qu'il y a des métiers qui sont en mutation, notamment les postes de développeurs, les postes de chef de projet, c'est des mutations avec les technologies qui évoluent à vitesse grand V. Il y a des métiers qui sont en plein boom, autour de DevOps, autour du cloud, autour de l'IA. Et donc, je crois surtout qu'il n'y a plus, pour les entreprises, une seule façon de faire. Le recrutement, ce n'est pas l'affaire que du service de recrutement. Ça, c'est le premier sujet, c'est clair. Le recrutement, c'est comme le commerce pour une entreprise, c'est l'affaire de tous. Et je pense que c'est un sujet qui doit être pris à bras le corps par les entreprises. Autrement, il va s'opérer un phénomène de goulot d'étranglement qui va ralentir le développement de nos entreprises. Et on sait, pour rejoindre les enjeux de souveraineté dont on parlait tout à l'heure, que si on n'arrive pas à capitaliser sur nos propres soft skills, on se tire une balle dans le pied à terme pour toutes les logiques de souveraineté. Voilà. D'accord. Donc, une partie de la réponse, finalement, dans ce manque de talent disponible, c'est la formation, évidemment. Et est-ce que, peut-être, Nila, on pourrait faire un rapide bilan de ce qui a été fait récemment. Notamment, il y a eu une action collective qui a été lancée à l'initiative de la branche. Et puis, peut-être, rappeler les différents leviers de formation, parce que... Ils sont divers, voilà. Donc, c'est peut-être de les rappeler parce qu'ils ne sont pas toujours connus de l'ensemble des entreprises. Oui, alors en effet, il y a différents axes d'action possibles. Tout à l'heure, on a parlé formation initiale, formation continue. Et je vais commencer par la formation continue cette fois-ci. Donc, je vous le rappelle, c'est la formation des demandeurs d'emploi et des salariés. Nous, en tant qu'organisation professionnelle, du secteur numérique, on est présent dans différentes instances et différents organismes, et notamment un organisme qui s'appelle le Non Barbare d'OPCO, opérateur de compétences, qui a pour mission de financer un certain nombre de formations pour les salariés pour lesquels c'est l'employeur qui demande le financement. Et nous avons pu travailler avec notre OPCO et la présence d'experts métiers sur une offre de formation spécifique à l'open source, qui est donc ouverte aux entreprises du secteur et qui peuvent en faire bénéficier leurs salariés. Donc, il y a différents modules avec une ingénierie de formation qui a été adaptée aux besoins des entreprises du secteur de l'open source. Donc, ça, c'est un levier, en tout cas, que nous avons pu mettre en place. L'objectif, c'est de mettre à jour cette offre de formation en 2022 par rapport aux dernières conclusions de l'étude récente. Mais voilà, c'est une offre de formation qui va permettre de répondre spécifiquement aux besoins d'évolution de compétences des salariés qui sont déjà en poste aujourd'hui, soit sur de l'open source, soit sur d'autres domaines d'intervention du numérique, avec une volonté de les orienter vers des compétences open source. L'autre axe, il va être de continuer
à travailler et à promouvoir les domaines de compétences open source auprès de tous les autres acteurs de la formation continue, parce que je crois qu'on est le pays en Europe où il y a le plus d'organismes de formation. Donc il y a certains acteurs bien connus et déjà spécialisés sur ces sujets-là, mais il faut continuer à les encourager à développer ces offres de formation de façon à ce que des demandeurs d'emploi ou des salariés soient en capacité de se former à ce domaine de compétences. On dit souvent que la cybersécurité, on disait tout à l'heure le commercial, c'est l'affaire de tous. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous. L'open source, ça doit devenir l'affaire de tous. Alors, pas forcément, je ne deviendrai pas moi une spécialiste de l'open source. En revanche, me former pour mieux comprendre de quoi il s'agit, savoir de quoi potentiellement mes collègues qui travaillent sur ce sujet-là ont besoin, moi, parce que je travaille sur les sujets de formation et de compétences, ça a du sens. Donc, il faut pouvoir ouvrir ce domaine de compétences, même à des profils qui ne sont pas spécialistes. Donc, on va continuer, nous, en tout cas, côté formation continue, à travailler avec notre branche professionnelle et notre opérateur de compétences pour permettre de répondre le mieux possible aux besoins des salariés du secteur. Deuxième point, c'est la formation initiale. Je pense que Philippe a poussé ce cri d'alarme qu'on pousse tous sur les besoins en compétences quasiment vitaux aujourd'hui pour les entreprises du secteur. Un vivier important, ça reste les jeunes. Un des axes d'intégration de ces jeunes-là dans le monde professionnel, c'est l'alternance. C'est un des points d'amélioration, d'ailleurs, de l'étude. Je pense qu'il faut absolument, et là, ça va être mon rôle, je pense, avec les membres de Numéum, d'accompagner les entreprises du secteur de l'open source à profiter des avantages qu'offrent les contrats en alternance et en particulier l'apprentissage pour qu'elles intègrent en pré-embauche des jeunes dans leurs entreprises. Mais pour cela, il faut que l'offre de formation initiale réponde aux besoins. Donc un travail collectif à faire aussi pour que les programmes de formation répondent aux besoins des acteurs du secteur. Très bien. Et peut-être qu'il y a une première question. Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez... qui suscite encore des interrogations ou vous avez besoin d'éclairage? Non. Très bien. C'est pas l'école ici. Non, non. C'est pas la formation. On va passer à la deuxième question tout de suite. Bonjour, Laurent Lacôte. Merci de votre exposé. Justement, sur le dernier point que vous soulevez, le problème de l'inadéquation entre les besoins des entreprises et l'offre de formation. Là, je vois que vous avez fait une étude qui permettait de faire le point à l'instant T. Comment pourrait-on faire, à votre avis, pour essayer de mettre en place un système où on a une visibilité, entre guillemets, continue sur les besoins pour adapter au long cours? Parce que c'est vrai qu'au final, les offres de formation, notamment dans l'aspect public universitaire, c'est décidé par l'administration, c'est pas forcément revu tous les ans, etc. Donc il y a aussi un problème d'agilité. Est-ce que vous auriez une idée ou des pistes de réflexion sur ce sujet? Alors, il y a différents types, en effet. Il y a les formations universitaires, les écoles d'ingénieurs. Et dès qu'on touche à un cursus diplômant, titre d'ingénieur ou diplôme reconnu par l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, c'est compliqué. Non pas dans les modifications de contenu. Ça, je dirais que même aujourd'hui, le monde académique a rattrapé un certain retard qui peut encore s'améliorer. Mais on a, et ça, je pense que la réforme de la formation de 2018 y est pour beaucoup. Ce monde-là intègre de plus en plus le monde de l'entreprise dans ses conseils de pédagogique, dans ses conseils de perfectionnement. Nous, côté Numéum, par exemple, on est de plus en plus présents dans ce genre d'instances, et notamment les conseils d'administration d'écoles d'ingénieurs pour justement faire avancer les choses. Donc pour travailler le contenu, ce n'est pas si compliqué que ça aujourd'hui. C'est pour faire valider par les instances les modifications apportées au programme que ça pose problème. Et on est sur des cursus qui sont très, très longs. Quand on modifie un diplôme, un contenu de diplôme, il faut que les instances de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur valident cette modification-là. Et donc, il faut que ça passe devant des instances, des commissions paritaires, etc. Il en va de même pour les certifications, titres, ce qu'on appelle les titres RNCP,
répertoire national des certifications professionnelles. Et là, aujourd'hui, France Compétences, qui est en charge de ce registre-là, ce répertoire-là, a plus de 6 mois de retard sur les délais de traitement. Donc, on a des problématiques, je dirais presque administratives, plus que de mise à jour en tant que telle du contenu. Donc, moi, ce que je conseille aux porteurs de certification, en l'occurrence privée, parce que le public est toujours un peu bloqué avec les ministères, c'est d'envisager des référentiels les plus larges possibles pour qu'ensuite on puisse intégrer des modifications de contenu plus facilement sans demander la validation de la modification. Plus on va être précis dans les référentiels et plus il va falloir demander des validations systématiques. Donc après, c'est un jeu d'équilibriste, hein, malgré tout, mais c'est pour l'instant le système D qu'on a pu trouver. Je crois que David, vous aviez une réponse supplémentaire. Oui, juste un point de vue universitaire. Je suis professeur des universités, j'ai géré des formations dans une vie antérieure. La réponse aux besoins des entreprises, en fait, une question qu'on se pose en permanence. Et notre premier indicateur, c'est combien de temps il faut à un diplômé pour trouver un travail. 90% des nouveaux diplômés trouvent un travail dans les 3 mois et 99% dans les 6 mois. Ça veut dire que les formations qui sont faites par les universités, celles dont je m'occupais, trouvent preneur. Donc il y a une adéquation de la formation par rapport aux besoins. Par contre, le problème, il est sur le volume. Aujourd'hui, on ne forme pas suffisamment de programmeurs en open source ou pas open source, peu importe. Les universités, d'ailleurs, vont plutôt aller naturellement vers de l'open source pour les raisons qu'on citait précédemment, qui sont la neutralité, l'interopérabilité, etc. Par contre, là, il y a un problème de volume. Et le problème de volume, la réponse, ce sont les moyens. Et donc, il faut investir massivement dans la formation sur l'embauche d'enseignants-chercheurs en informatique, notamment, pour répondre à ces besoins-là. Et là, on pourra répondre aux besoins de tout le monde. Et on sait qu'on ne pourra pas passer instantanément à on multiplie par 2 le nombre d'enseignants-chercheurs en informatique. Et donc, il y a un problème. Moi, là, c'est l'axe que je prends aujourd'hui, qui est sur la formation continue, qui est de dire qu'on a des gens qui sont formés, qui sont scientifiques, et faire des cursus de reconversion pour devenir un expert en cybersécurité, on est d'accord sur le trou dans la raquette qui a été signalé dans l'étude, ou des experts en intelligence artificielle, data scientist, c'est un levier pour répondre à ce besoin de manque de main-d'œuvre. Donc la réponse est oui, on est conscient de ça, c'est du volume, et un des moyens de répondre, c'est la reconversion. Je voudrais qu'on soit sur la dernière question, et il nous reste vraiment, je vais aller 2 minutes de plus. D'accord, merci beaucoup. Et là, tu voulais préciser un point? Non, je voulais juste préciser, mais il y a une question, donc je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. Juste compléter qu'il y en a un vrai problème, en effet, quantitatif, mais du coup, la conséquence, ça va être d'attirer aussi les jeunes profils, et notamment donc les jeunes gens et les jeunes filles aussi, dans ces filières de formation-là. Donc là, il y a aussi un effort considérable à faire pour répondre aux besoins quantitatifs. D'autres questions? Peut-être le masque. Ah ouais. C'était pas vraiment une question, plus une remarque, je pense, par rapport à ce que vous disiez sur la difficulté à faire certifier, à ce que ça rentre dans la validation du programme. Il y a la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui vient d'être votée et qui implique de nouveaux besoins de formation dans les écoles d'ingénieurs, notamment. Donc, je vois, il y a primaire, secondaire, mais je pense pas que ce soit le sujet ici. Et moi, la remarque que je me faisais en lisant cette loi, c'est qu'aujourd'hui, tous les programmes d'ingénieurs n'ont pas déjà de formation au numérique, au service numérique. Donc, il va y avoir, j'imagine, ça pour pouvoir parler de sobriété numérique. Donc, il va certainement y avoir des changements. Peut-être que c'est une opportunité. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais voilà, je voulais juste remonter ça au cas où. Je pense que ça va être une opportunité. Les programmes vont devoir changer. Potentiellement, les écoles d'ingénieurs, et peut-être même plus, vont devoir s'adapter à ça. Donc voilà, ça peut être une opportunité peut-être pour remettre un focus sur cette partie-là. Oui, je vous rejoins. On avait noté cette ouverture-là. C'est un point en effet qui est important. Après, encore une fois, on rejoint les besoins. On doit réunir les questions sur les besoins qualitatifs, quantitatifs, d'attractivité. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on avait fait une étude sur la cybersécurité. L'analyse de la cartographie de formation nous disait que l'offre de formation répondait aux besoins, tant sur le plan quanti que quali, mais les promotions étaient remplies à 70%. Donc, ça veut dire qu'on avait 30% de places disponibles qui n'étaient pas pourvues.
Et même en répondant, et si, si on avait atteint le 100%, quantitativement à N plus 3 ou N plus 5, on répondait aux besoins en recrutement des entreprises sur la partie cyber. Donc, on a un vrai souci, c'est comment mieux faire connaître aussi nos métiers et les métiers de l'open source en particulier aux jeunes générations, comment les attirer vers ces métiers-là et donc les attirer vers les bonnes filières de formation. On a travaillé, par exemple, longuement à la création de l'option NSI au lycée. Donc là, c'est avec la réforme du baccalauréat, donc il y a des options, des spécialités qui ont été créées, dont la spécialité numérique et sciences de l'informatique. Aujourd'hui, on n'a pas assez de professeurs pour laisser ces spécialités ouvertes dans certains établissements. Voilà, donc c'est un travail finalement à 360 qu'il faut faire. Très bien, merci à tous. Et n'hésitez pas à télécharger le...